Eh bien, bonsoir les gens, c'est Willy. On se retrouve pour l'épisode numéro 11 de notre let's play sur Pokémon Écarlate, le disque indigo. Dans l'épisode précédent, nous avions vaincu Cassis, donc le dernier membre de la Ligue Myrtille. Ce qui fait de nous théoriquement le maître de la Ligue Myrtille, même si on n'est pas vraiment un élève d'ici. Avec notre team solide de ouf. Et on a été convoqué par Madame Bria et Alisma. Avec Irido, Cassis et Roseille afin de faire une expédition dans la zone 0, dans Paldea, afin de trouver Terrapagos et de faire quelques études. Bon, on y va tous, sauf Irido, donc on fait quand même une petite expédition à 4. Et je pense avoir fait le tour, donc on va sans plus tarder commencer. Je pense que l'épisode va être assez long, parce qu'il y a moyen que je fasse toute l'expédition. Même si je pense que ce qui se trouve, la fameuse zone avec l'arbre, qu'on avait vu dans le trailer, doit être vraiment tout au fond, donc pas loin du laboratoire. Donc je pense que je vais juste faire un giga plongeon jusqu'en bas. On va voir comment on va se débrouiller. Cela fait longtemps que nous n'étions pas vus, Maître Willy. Hey, salut, je suis là aussi. Franchement, je m'attendais pas à te croiser ici. Je constate avec plaisir que même loin de Paldea, tu continues de te montrer digne de ton rang. Hey, je fais de mon mieux. Tu possèdes un indéniable talent. Mon instinct ne m'avait donc pas trompé. Ah oui, il est très doué, c'est clair. Mais il est aussi très doué pour faire des bêtises. Tel dans le cratère sur l'autorisation, t'en souviens? Et je te préviens, j'ai pas peur de remonter les bretelles d'un mètre, moi. Désolé, mais je suis pas passé mettre pour rien, hein. C'est pas parce que t'es maître que t'as le droit de faire tout ce qui te chante, hein. Voyons, du calme, Cayenne. Tout le monde va bien, c'est l'essentiel. Et puis, si Maître Willy n'était pas allé dans la zone 0, que serait-il advenu de notre belle région de Paldea? Ouais, ben, on aurait tenu à Mouise, mais quand même, j'aurais pu intervenir au pire. Bon, c'est vous la chef, chef. Je veux bien fermer les yeux pour cette fois-ci. Pauvre Cayenne. Elle ne l'avouera jamais, mais elle se faisait un sang d'encre à ton sujet. Bon, Maître Willy, je souhaiterais que tu te rendes à nouveau dans la zone 0, avec l'autorisation de la Ligue Pokémon cette fois-ci. Seule une poignée de personnes savent ce qui s'est passé au fond du cratère, et connaissent l'existence de la machine temporelle. J'ai prévenu Madame Bria des dangers de la zone 0, mais j'ai dû éviter de mentionner certains détails. Au fait, vous aviez pas un truc à donner, là, à Madame Bria? Oups, cela m'était sorti de la tête. Tiens, Maître Willy, je te confie ceci, si tu le veux bien. Le disque indigo. Un disque mystérieux au beau reflet indigo que la maîtresse en chef vous a confié. Il semble avoir un lien avec la zone 0. C'est quoi, une CT? Des scientifiques de la zone 0 ont envoyé ce disque il y a longtemps aux personnes qui ont financé leurs recherches. Je l'ai fait analyser et je peux affirmer qu'il ne s'agit ni d'une CT, ni d'un support de stockage. En fait, je ne sais pas à quoi cet objet pourrait bien servir, mais il est lié à la zone 0. Et puisque tu vas t'y rendre, j'aimerais que tu en profites pour découvrir la véritable nature de ce disque. Et pour moi, ça serait une baguette pas trop cuite. Non, je rigole. En revanche, si tu ne lui trouves aucune utilité, je te prierai de me rendre le disque. Tu t'es déjà rendu sur place, mais la zone 0 reste un endroit dangereux, alors je te demande de prendre garde aux Pokémon et à ton environnement. Tu es un maître, donc je compte sur toi pour mener le groupe et garantir la sûreté de tous. Je serai bienvenu avec toi, mais j'ai masse de boulons qui m'attend. Alors bonne chance et fais bien gaffe, hein. Sur ce, à bientôt. Allez, on y va.
ils devraient être juste là-bas. Ah bah oui, ils sont là. Alors Willy, prêt à partir pour la zone 0? On y va. Parfait, on va enfin pouvoir partir. Roseille, Cassis, ça va aller? Oui, oui, ça va. Enfin, moi je vais bien en tout cas. Moi aussi ça va. Je me suis calmé. Oh, tant mieux. Je sais ce que j'ai à faire, donc tout va bien. Je dois retrouver ce Pokémon légendaire de la zone 0, coûte que coûte. Bravo Cassis, bonne attitude. Sur ces belles paroles, allons-y. Nous y sommes, ça y est. La zone 0, j'en ai rêvé tellement de fois. Wow, c'est incroyable. Oh, trop cool. Elle fait un peu flipper Bria hein, avec son regard fixe. Du coup, Willy, t'es déjà venu ici, pas vrai? Oui, avec des compagnons d'aventure. Des compagnons d'aventure. Genre Coraidon. Agrou. Ah, j'ai eu peur. Et toi, Trucaidon. Oui, toi. Ça va pas être aussi grand. Agrou. Toi aussi, tu faisais partie de l'équipe, pas vrai? Voilà donc le fameux Pokémon qui aurait été découvert dans la zone 0. Je veux dire qu'il m'attrie beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est le fond de la zone 0 que nous devons étudier. Et même voir ce qu'il est encore plus bas. Plus bas que le labo 0. En croire le récit de Bruyère, il était tombé dans un lieu encore plus bas que le fond du cratère. Hein? Mais quand on est au fond, c'est qu'on peut pas aller plus bas, non? C'est là que le mystère s'épaissit. Bruyère n'avait apparemment aucun souvenir de la façon dont il est parvenu. Si son récit dit vrai, alors il doit exister une zone encore inconnue cachée dans les profondeurs. Commençons par atteindre le fond, en nous dirigeant sans tarder vers le laboratoire 0. Je te laisse ouvrir la marche, Willy. Retour au labo 0. Dirigez-vous vers le laboratoire 0 pour descendre encore plus bas que les profondeurs de la zone 0. Bon, on va prendre un raccourci, hein. En volant, tout simplement. Parce que, bon, la zone 0, on l'a déjà visitée. On la connaît. Donc maintenant, on va plonger. Regardez, là, en une seconde, on va y être. Hop là. Sacré plongeon, hein. Et le laboratoire, si je me trompe pas, il est juste ici. Ah bah voilà. Hop là. On descend. Genre moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait une armée de Pokémon Paradox ou de Pokémon même en vénère qui nous attaque, hein. Faut qu'on sente vraiment en danger, qu'il faut qu'on aille fuir, qu'on prend très cher et tout. Waouh, il est dingue cet endroit. Les custos me rappellent ceux du lac cristallin. Ce doit être le laboratoire 0, j'imagine. Vu de l'extérieur, il correspond exactement à la description de Madame Alisma. Alors c'est ça le fond de la zone 0. Exact. D'un côté tu as raison, et de l'autre, ce n'est pas exactement ça. C'est bien le fond du cratère tel qu'il a été découvert par le premier groupe venu étudier ici. À l'époque. Mais il existe aussi un étage inférieur dans ce laboratoire. Où se trouverait une mystérieuse pièce aux fonctions inconnues. Mais moi, je veux aller encore plus bas.
Ok, j'ai rien compris. Mais en gros, il faut qu'on rentre dans ce labo zéro, c'est ça? Sauf que c'est fermé. Hein? Ah bah oui, t'as raison. Bon, on fait quoi, Willy? C'est pas ta première fois ici, t'as une idée? Bah faut utiliser le panneau pour ouvrir. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Avant de se faire agresser. Waouh, comme dans les films d'espionnage, c'est trop cool. Non, rien, oubliez-moi. Très bien. Willy, tu peux t'occuper de déverrouiller la porte dans ce cas? Allez. Moi, dans mes souvenirs, je pensais que je pouvais rentrer dans le labo 0, hein. Voulez-vous ouvrir la porte du laboratoire 0? Oui. La porte a été verrouillée à la suite d'une période d'inactivité prolongée. Ah, on ne peut pas ouvrir la porte alors. Si, si, t'inquiète. Tu l'avais pourtant déjà ouverte, non? Est-ce que quelque chose a changé depuis? Bah avant il y avait la professeure. Je vois. J'imagine que vous avez dû effectuer certains préparatifs en amont, en suivant les instructions d'une personne déjà à l'intérieur. Disque indigo détecté. Disque indigo détecté. Y a quelqu'un? Insérez le disque indigo pour recevoir un accès de niveau supérieur. Insérez le disque indigo. C'est juste le système qui parle, un peu comme les machines à CT, tu vois. Le disque indigo. Est-ce qu'il s'agirait de l'étrange objet que t'as remis, Madame Alisma? Oh, ça a l'air fun. Bon, puisque c'est demandé si gentiment. Allez, insère-le, Willy. Insérez le disque indigo. Insertion du disque indigo confirmée. Redirection de l'ascenseur du laboratoire 0. Nouvelle destination. L'abîme 0. C'est ouvert. Allons-y. Lancement de Mario 64. Avec tous les bruits de PlayStation ou de console qui font genre la PS3 qui fait des... Comme l'imprimante. J'imagine vraiment ça comme ça. Ok. Bon. Mais il fait trop noir ici. J'aurais pas de me cogner. C'est parce que tu cours sans regarder où tu vas. Casse. T'as enfin décidé de reparler à ta sœur adorée? Je vois pas de quoi tu parles. Bon, elle est où la prof? Elle fait un fou d'un paperasse là-bas. Ah, oh, c'est pas des photos de trucs privés ça? C'est pas cool de les regarder sans permission. Monsieur a des principes. Madame, l'ascenseur est là. Vous vouliez descendre, non? On y va? Ah oui, c'est ça. Allez, on descend. Oh, c'est donc cet ascenseur qui t'a permis d'accéder à la fameuse salle secrète. Oui. Fascinant.
Absolument fascinant. Bon, eh bien, descendons sans plus attendre. Allez, hein. Par contre, je connais pas la mime zéro, moi. Je connais juste la machine temporelle, là. C'est absolument renversant. Cet ascenseur ne s'arrête pas de descendre. En même temps, c'est un peu le but d'un ascenseur. D'ailleurs, il descend pas super vite. J'ai l'impression de flotter. Dites. Le panneau de tout à l'heure, il a pas dit un truc au sujet de la destination de l'ascenseur? Ah oui, je crois bien. La voix disait redirection de l'ascenseur. Il n'y a qu'un seul ascenseur à l'intérieur du labo zéro. Il s'agit forcément de celui-ci. Et donc? Et donc, nous nous dirigeons vers une destination parfaitement inconnue. N'est-ce pas palpitant? Moi, je dirais que c'est plutôt flippant. J'avoue que je connais pas moi non plus, hein. L'abîme zéro, ça me dit rien. Oh là là! Oh là là! Oh, c'est joli! Si je comprends bien, on est encore plus au fond que le fond de la zone 0, c'est ça? Exactement! Mes données indiquent que nous sommes bel et bien à un niveau encore inférieur. L'ascenseur serait donc descendu encore plus bas que la destination pour laquelle il était initialement programmé. Ah ouais, c'est vraiment une dinguerie cette zone 0. À ce stade, je crois que plus rien ne me surprendra. Dites. C'est quoi ça? Oh là là! Quoi ce délire? Qui a mis un bureau ici? C'est un rapport de recherche signé de la célèbre professeure Olim. Une large cavité se trouve en dessous de la zone 0. C'est là que sommeille Terrapagos, le trésor enfoui de la zone 0. Son corps s'est cristallisé pour se protéger des attaques extérieures. Il semble qu'il faudra patienter encore un peu avant son éveil. J'observais une variation jusque-là inconnue de la terra-cristallisation à l'intérieur de cette immense grotte. Terrapagos en est ici à l'origine. Cette terra-cristallisation regroupe tous les types. Je l'ai provisoirement appelé cette variation le type stellaire. Le type stellaire. Terrapagos, c'est le trésor enfoui de la zone 0. Et il y sommeille sous la forme d'un cristal. Et ce type stellaire, je ne comprends pas. Ah, mais quelle brillante découverte. Toutes les informations que Bouillard mentionne pas. Ce document, à lui seul, constitue déjà un trésor inestimable. Tout ça pour un endroit chelou. Il n'y a pas de quoi s'exciter à un point. Terrapagos, c'est le trésor enfoui de la zone 0. Faut vite qu'on continue d'avancer. Attendez, laissez-moi lire encore un petit peu. Non, vous avez raison. Allons-y. Après tout, la vérité ne prend tout son sens que lorsqu'on la constate de nos propres yeux. Allons-y, mais restons prudents. Allez, on y va. Ah, il y a un objet qui brille, là. Ok, un rappel. Je sais pas ce que ça fait si je tombe. Mais c'est pas très accueillant, donc on va peut-être éviter. Pour l'instant, on va suivre le chemin. Mais j'aime bien avec le petit remix de la zone 0. Qui rend ça encore plus mystérieux. Lis le livre. Je sais pas si je peux le lire. Attends, on va regarder. D'abord, je lis ce qu'elle dit, là. C'est quoi, ça? Une fleur de cristal? C'est joli, mais elle bloque un peu le passage, là. On peut plus avancer. Ah, je sais. Tu peux pas demander à Trucaïdon de la détruire?
On va essayer. Ouh là là, non, 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 attendez. Tout porte à croire que cette masse est un pur concentré d'énergie terracristal. Qui sait quel genre de réaction cela produirait si elle était détruite par la force? Ok, mais on fait quoi alors? Feu. Ça alors, on trouve des Pokémon ici aussi. Et que vois-je? Il est entouré d'une énergie des plus mystérieuses qui plus est. Reculez, madame. Vous savez bien que vous êtes parfaitement incapable de vous battre. Cass, non, Willy, tu t'en charges. Éclat. Allez, on va se taper contre le fleur éclat. C'est ça le type stellaire? Mais du coup ça fait quoi avec les 18 types? Mais quelle est donc cette énergie? Ça par exemple, est-ce que ce serait... Ah, il est assez haut niveau en plus. Allez, demi-tour. Et vu qu'il est type roche poison, je vais peut-être mettre Forgeolina. Comme ça, je suis immunisé face au poison. Et là maintenant, marteau mastoc. Voilà, son terra cristal pète. Et je veux bien le capturer en vrai. Ah, je peux pas le capturer. Dommage. Bien joué, Willy. Oh, le gros cristal disparu. Ça veut dire que si on se débarrasse des Pokémon qui brillent, les fleurs de cristal disparaissent? Mais alors, si j'en crois ce que disait le rapport de tout à l'heure, et donc le type Terra Cristal Stellaire, on pouvait y ressentir l'énergie de tous les types. Et qu'est-ce que ça veut dire? On vient de battre le trésor enfoui de la zone 0 là? Non, enfin, tout porte à croire que non. Le rapport de la professeure Olim stipulait que le trésor enfoui de la zone 0 sommeille sous la forme d'un cristal. Le fleur éclat qu'on vient de combattre ne pouvait donc pas être le trésor enfoui. Non, ce n'était pas Terrapagos, et ça j'en suis certaine. On y verra plus clair si on continue d'avancer. Allez, on y va. Mais j'aimerais bien lire le livre, moi. Oh, 3100 PL. Terra éclat stellaire. Vas-y, on va voir en vitesse si je peux pas lire quelque chose, une note ou un truc. Mais c'est très intriguant. Alors, le trésor, le type stellaire. Non, ça, j'ai déjà lu. J'ai nommé l'espace sous la zone 0, l'abîme 0. D'après l'étude des strates, cette caverne se serait formée il y a environ 2 millions d'années. Des traces montrent qu'une grande quantité de... quelque chose... occuper une brèche à cet endroit, avant la formation de la grotte. L'abîme se situe à environ 1 km de profondeur. L'endroit semble avoir connu des effondrements, probablement dus à des mouvements sismiques, ou à l'érosion provoquée par les eaux de pluie, ou les eaux souterraines. Un dernier éboulement semble y avoir donné à la grotte sa forme actuelle.
Pendant mes recherches sur le trésor enfoui, j'ai été soudainement téléporté vers un autre lieu, probablement dans une région à l'est, en jugé par la température et l'humidité, et l'odeur de soufre. L'altitude élevée, j'ai aussi rencontré un enfant près d'un lac, avec un livre blanc. C'est quoi, un teasing pour la 10G? Une large cavité se trouve en dessous de la zone 0, c'est là que sommeille Terrapagos, le trésor enfoui de la zone 0. Son corps s'est cristallisé pour se protéger des attaques extérieures. Il semble qu'il faudra patienter encore un petit peu avant son réveil. J'ai observé une variation jusque-là inconnue de la terracristallisation à l'intérieur de cette immense grotte. Terrapagos en est-il l'origine? Cette terracristallisation regroupe tous les types. Je l'ai provisoirement appelé le type stellaire. Bon, on verra. Je vais pas tarder à faire une petite coupure, je pense. Je vais voir. Mais c'est très mystérieux, moi j'aime bien les ambiances comme ça. Bon, ce tracé, je l'ai déjà. Non, oh, un objet. Terre avec la stellaire. Oh, il y a une CT là. Ah, je peux pas y aller. Je peux pas monter? Ah si. Je pensais que je pouvais pas monter sur corail dans tout court. Bon, hydrocanon, c'est pas forcément intéressant, mais on prend. Là, je prends ça. Et il y en a un deuxième. Bon, je vais parler avec eux, après je pense que je fais une coupure. Encore une fleur de cristal. Ce serait le résultat de la saturation de l'énergie terre à cristal dans l'atmosphère. Ok, c'est tout ce qu'elle dit. Non, vas-y, on va continuer. Et si au pire c'est vraiment trop long, ben je diviserai en deux l'épisode. Mais là ça m'intrigue trop. Ok, un bruit verne. Je vais y mettre Forgelina. Et Corridor en forme combat si vraiment c'est compliqué. Le bruit! Allez, Forgelina. Il est stylé le type stellaire quand même. J'aime bien que la couronne ait tous les types autour. Même si je connais pas encore exactement les effets de ce type. Allez, marteau mastoc. Voilà, le type d'Axel va péter. Et maintenant, je peux le frapper. Et je peux pas les capturer, malheureusement. Bon, ça, normalement, ça se gère. Sauf si je miss, évidemment. Donc, on retente. Et là, normalement, ça ouvre la voie. Bon, il ne doit pas avoir beaucoup de chemin comme ça bloqué. Je pense encore un ou deux, c'est fini. Bien joué, Willy. C'est bon, le chemin de cristal a disparu. Allez, on y va. Par contre, je suis curieux de voir ce qu'il y a dans tout au fond de la crevasse, là, mais j'ai pas envie de sauter. Donc on essaiera une autre fois peut-être.
Dis ton Pokémon, Coraidon, c'est ça? C'est impressionnant de le voir bondir comme ça. Y'a rien qui pourra nous arrêter. Allez, on y va!